reborn. Chaos reborn. Wow. Bonjour les frères et sœurs, comment ça va les amis? Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Si c'est le cas, glory to God, gloire à Dieu. Ouais. Merci Seigneur, parce que tu fais de bonnes choses. Il y a du bruit partout aujourd'hui, on dirait. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, ça va aller. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous dire, frères et sœurs, que Dieu est bon. Ouais, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Toute la nuit, j'ai cherché un truc jusqu'à moi-même, je dis, ouais, oh là, c'est chaud. Tellement j'ai cherché là, je suis allé m'étendre un peu, je suis allé me coucher. Mais je ne peux pas croire que c'était fini. C'est genre, toi tu cherches quelque chose jusqu'à tu ne trouves pas. Tu cherches quelque chose jusqu'à tu ne trouves pas. À un moment donné, tu sais que, ouais, là même tes forces t'ont laissé. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu la main de Dieu. Là tout de suite, il y a juste quelques minutes seulement. Ouais, il y a juste quelques minutes. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, mais what? Comment c'est possible? Il faut que je vous parle de ça. Il faut que je vous dise quelque chose. Les frères et sœurs de la vie, là, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour vous. Ah! Ouais. Là, je sens que nous sommes en train de monter dans une dimension de grandes choses, même. Ouais. C'est une dimension de grandes choses. Hey! Ouais, ce que vous avez découvert là, non. Je ne peux pas vous expliquer ça ici. Non, vous n'allez pas bien comprendre d'abord. Mais quand le moment va venir, vous allez voir. Mais c'est extraordinaire. J'ai travaillé dur, je n'ai pas abandonné. Je suis allé jusqu'au bout de mes idées, même si c'était dur, même si je ne voyais rien devant. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas abandonner, il faut que j'avance. Voici comment Dieu, voyant ma souffrance, il est venu à mon secours. Il est venu m'aider. Il a dit, écoute, ce que tu cherches là, voilà ça. Ouais, voilà ça. Prends mon fils, mets-toi zo. En fait, il m'a mis juste une piste. Juste une piste. Il m'a donné juste une petite idée. Juste une petite idée. Hein. Mais c'est de cette petite idée là, non? Je suis parti jusqu'à faire une grande idée, une grosse affaire, un gros truc pour trouver ce que je cherchais. Oh! Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si vous cherchez un truc, non, restez concentré, n'abandonnez pas. Même si vous ne voyez rien, que vous avez tout fait, vous êtes même fatigué là, asseyez-vous, reposez-vous un peu. Couchez-vous un peu, couchez-vous un peu. Fermez les yeux, fermez les yeux. Voilà, fermez les yeux. Vous couchez. Et puis vous pensez à autre chose que le projet. Pensez à autre chose que le projet. Juste pour que votre esprit soit libéré. Quand le vent va commencer à frapper votre visage et entrer dans votre esprit, en ce moment-là, Dieu qui est grand, il va venir vous donner cette idée-là comme ça. Et quand vous allez avoir cette idée, vous allez comprendre que Dieu est vivant. Ça va partir d'une petite idée. Juste d'une petite et minuscule idée. C'est cette petite et minuscule graine que de grandes choses vont venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, ma soeur, si tu commences un business et que tu commences à amasser petit à petit, petit à petit, petit à petit, hein, faut pas te plaindre. Pas regarder tes voisins ou les voisines pour dire ah Dieu c'est comment, pourquoi tu me donnes petit alors que mes voisins ont de grandes choses, beaucoup de choses comme ça. Ah, qu'est-ce qui va pas être toi mon ami? C'est la même chose pour toi. Tu veux rouler de la grosse caisse, non, de la grosse voiture, même si ça ne sert à rien souvent.
Mais contente-toi de ce que tu as. Le fait même de pouvoir marcher là, c'est la grâce de Dieu. Parce que les gens qui ont envie de marcher comme toi, mais ils n'ont pas l'opportunité de le faire. Il faut vraiment être concentré. Il faut être concentré dans la vie. Dans la vie, il ne faut pas être distrait. Quand vous cherchez quelque chose, hein, quand vous cherchez quelque chose, il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être distrait. Ce n'est pas une histoire de dire que oh, oh, je vais à l'église, je connais Dieu. Je suis le voisin de Dieu. Non! Il ne faut pas être distrait. Il faut juste être concentré aussi. Je vous parle de quelque chose. Et sur cette terre ici-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous détourner de vos objectifs. Il y a beaucoup de choses hein, qui peuvent vous détourner de ce que vous recherchez. Ça, c'est la distraction même. Je te dis, mon frère, si tu as fait traverser un projet dur et fort, ne cherche pas femme. Ne regarde pas les filles. Les filles qui veulent te montrer leur corps. Les filles qui veulent te montrer les trucs qui n'ont pas de sens. Qui ne vont même pas t'amener à gauche ici. Qui ne vont même pas te permettre de voir ton nez, le bout de ton nez. Ne les regarde pas. Ma soeur, si un gars vient te distraire, reste concentré sur tes objectifs. Ah, toi si tu dois être une grande dame, non. Tu dois réaliser des grands projets, non. Tu dois aller de l'avant, non. C'est ce qu'on appelle les exploits. Avec Dieu, nous ferons l'espoir. Si tu veux vraiment faire l'espoir dans ta vie, mon frère, écoute ce que j'ai envie de te dire. Il faut être concentré dans ta vie. Dès que tu es prêt à faire quelque chose de bon, réaliser un grand projet, pardon, mets la fête des femmes à côté. Mets la fête des femmes à côté, mon frère, mon ami. Mets la fête des femmes à côté. Même si tu es marié, il faut dire à ta femme, hé, hey, vraiment, écoute, cette fois-là, je vais me concentrer un peu. On va chercher un pro. On n'a qu'à se laisser. On n'a qu'à se laisser, on ne va pas se toucher. Juste se concentrer, nous deux. Concentrons nos esprits hein, sur notre projet pour avancer. Tout ce qui est à côté, comme les causeries inutiles, les discussions qui n'ont pas de sens là, les réunions qui n'ont pas de sens, pardon. Concentrons-nous sur notre type, on va aller de l'avant. Parce qu'il le faut. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Vous n'avez pas idée de combien de fois j'ai veillé cette nuit. J'avais sommeil, mais je ne pouvais pas sommeil là, je ne peux pas. La rage de vaincre. Je dis non, je ne peux pas abandonner. C'est pas possible, je n'abandonne jamais. Je ne suis pas venu sur la terre ici pour abandonner. En tout cas, ne crois pas sur moi dans ça. Je fonce jusqu'au bout. Mon ami, tu dois être fort et courageux. Tu dois foncer jusqu'au bout. C'est un truc d'esprit, c'est pas une histoire de dire oh, je suis en forme, hein. Je suis le poids. Ça se passe en esprit. Ça se passe dans la tête. Il faut être fort et courageux. Ne pas abandonner, quel que soit ce que tu vois. Même si tu ne vois rien, même si autour de toi tout tombe, tout chute, mon ami, mets-toi en prière. Dis Seigneur Jésus-Christ, viens m'aider, aide-moi à sortir de mes problèmes. Voici comment on réalise des espoirs dans la vie. Voici ce que je viens de faire là tout de suite. Je n'ai pas abandonné mes frères, je n'ai pas abandonné. Et je n'abandonne jamais. Ouais. Si vous me suivez depuis 3 ans, vous savez que je n'abandonne jamais. Eh bien oui. Si Dieu t'a mis sur un chemin et que c'est le bon, il t'a confirmé aller-retour, mon ami. Prends ça au sérieux. Ce que j'ai dit de faire, si Dieu, c'est Dieu qui t'a mis là, prends cette affaire au sérieux. Même si tu ne vois rien, même si tu vois des petites choses, même si c'est une goutte qui tombe, hein, prends cette affaire au sérieux et fonce avec. N'écoute pas les gens qui vont te distraire pour te dire, oh, toi-même, là, c'est quoi tu fais comme ça? Ton truc, on ne voit pas la tête, on ne voit pas la queue. Mon frère, ma soeur, moi, je te dis aujourd'hui, hein, c'est Dieu qui te parle, mais qui ne te courage pas. Fonce, ne regarde pas derrière, ça ne sert à rien. Lève-toi et fonce. Je dis, il faut avancer. Et il faut avancer. Va de l'avant. Qu'est-ce que tu attends? Ou bien tu attends que les gens viennent t'encourager avant de foncer sur le projet extraordinaire que tu as dans la tête. Ou bien tu attends à ce que les gens viennent te soutenir. Aujourd'hui, les gens ne soutiennent pas les gens. Les gens ne soutiennent plus les gens. C'est Dieu seul qui est pour nous tous. Sinon, chacun se cherche au pays. Mais Dieu est fort. C'est pourquoi je vous dis que Dieu est fort. Ouais, Dieu est fort. Avec Dieu, nous ferons vraiment l'espoir.
Mais ce n'est pas encore fini. Non, non, non. Ça m'étonnerait. Il y a quelque chose d'autre encore à voir. C'est pourquoi il faut toujours tenir ferme après avoir surmonté toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de tentations. Soyez prêts. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous laisse maintenant réfléchir sur vos projets et faites de l'espoir. Vous pouvez également rendre vos témoignages en commentaire. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, vous pouvez abonner à cette chaîne. Dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouve notre formation bancaire. Merci à vous pour tout. Que Dieu bénisse et je vous prêt pour la prochaine vidéo. C'est parti.